Donc je me présente François Joubeau, je travaille chez Worldline depuis quelques années sur de la monnaie éthique, donc c'est tout ce qui est carte bancaire. Mais à côté, ma grande passion, c'est l'observabilité sur Java. Et auparavant, j'ai occupé des postes dans le développement, mais aussi de management et de support. Donc j'étais assez transversal sur des systèmes critiques, sur des systèmes de paiement. Et un jour, j'avais pas assez d'outils pour monitorer ça. Et j'ai commencé à développer une solution qui s'appelle Gezer. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Maintenant, la solution, elle est suffisamment mature et elle permet de faire de l'analyse d'incidents. Voilà, pour de la production. Vous pouvez l'utiliser après pour faire un peu de profiling, faire des tests sur des benchmarks, ce genre de choses. Vous n'irez pas aussi loin qu'avec un profiler. Et puis, ce soir, on va l'utiliser à des fins académiques sur les threads virtuels. Alors, juste une petite introduction sur Gezer. C'est un projet qui est open source, hein. Là, j'en suis à la dixième release. L'objectif, c'est de fournir une solution qui soit transversale, donc qui s'adresse aussi bien à des gens qui sont en production, à des opérateurs, qu'à la R&D à l'autre bout. Voilà. Et chacun doit avoir sa vue. L'opérateur, lui, il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Il veut savoir juste quel type d'événement s'est passé, ce qui se passe actuellement en production et comment y remédier. À l'opposé, le développeur, lui, ça lui donnera un bon outil de diagnostic pour savoir où est le problème et éventuellement fournir un fixe. Voilà. Donc c'est une solution qui est basée sur des enregistrements. Vous imaginez une boîte noire, vous récupérez la boîte noire, vous la mettez dans un analyseur. Alors soit vous faites ça en post-mortem, hein, et vous allez générer un rapport de diagnostic, soit vous faites ça en temps réel, et à ce moment-là, il y aura un process de Gezer qui va regarder ce qui se passe dans la boîte noire périodiquement et qui va émettre des événements, d'accord, qui vont être exportés. Il peut aussi générer un rapport si besoin. Hein, si on tombe sur quelque chose de critique, il y a un rapport qui va être généré et qui va être envoyé soit par email ou partir sur Jira. Voilà. Sur le temps réel, sur l'analyse temps réel, on a aussi donc des événements qui peuvent partir vers Zabbix, typiquement. Donc je reviens hein, sur l'objectif de Gezer, c'est de fournir une vue de ce qui se passe à l'intérieur de votre process Java, ce qui manque pas mal sur les outils d'observabilité. Et les points importants là-dessus, c'est d'avoir une abstraction de l'information technique, de filtrer uniquement ce qui tourne dans votre JVM. Parce que si vous regardez, si vous faites un simple dump de votre JVM, vous allez voir qu'il y a entre 1 et 5% des threads qui travaillent vraiment. Voilà. Le reste, c'est garbage. Et ça, on ne voudrait pas le voir. Et le dernier objectif, c'est de détecter, bien sûr, des problèmes, de générer des événements, etc. Oh, putain, ça... y arriver. Voilà, donc en pratique, hein, pour revenir, on va avoir un enregistrement. Donc ce soir, c'est ce qu'on va utiliser. On aura un enregistrement. Là, on sera en post-mortem et on va générer un rapport. Et ce rapport, on le partage avec les différents acteurs en production, typiquement. Voilà. Alors bon, l'état actuel de Gezer, il y a une version 3.1 qui est disponible sur le web, hein, qui permet de faire de l'analyse de threads virtuels. Voilà. Il y a une 3.2 qui va arriver, où il y aura un petit peu plus de choses sur les threads virtuels, et puis il y a aussi une intégration avec Zabbix. Sinon, bon, il y a un petit article que je vais écrire. Possiblement avec Jean-François. Puis enfin, bon, là, je participe sur le Jeu de Paris, bien sûr.
Donc, ce qu'on va voir ce soir, on va faire un petit rappel technique sur les threads virtuels. Ça va recouvrir un peu ce que Jean-François et David ont dit avant, hein. Oui. Ça va compléter aussi. Et ensuite, on va commencer à, on va regarder l'observabilité, ce qui existe. Et puis, on va voir avec des démos, on va prendre des rapports de Geyser et je vais vous illustrer l'utilisation des virtual threads. Voilà. Et enfin, on va parler de l'adoption des threads virtuels en développement et en production. Là aussi, ça va recouvrir un peu ce qu'avait dit Jean-François. Voilà. Donc, contexte technique. Ce qui est important ici, c'est de voir cette petite charte graphique. On a parlé tout à l'heure des carrier threads. Donc, ce sont des plateformes threads. Ce sont des threads natifs qui vont permettre d'exécuter des threads virtuels. D'accord? Donc, ce sont les petites pastilles vertes. Et les pastilles bleues, ce sont les threads virtuels. Alors, ceux qui sont actifs vont être de cette couleur et passifs, en attente d'un carrier thread, seront en bleu clair. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Java, avec le Java 21, et même avant, hein, les classes fondamentales d'IO et de Sleep, par exemple, ont été enrichies pour supporter les virtual threads. Alors bien souvent, vous aurez beaucoup de virtual threads qui sont suspendus, inactifs, d'accord? On voit tous ces threads inactifs bleu clair. Et dès lors que des carrier threads sont disponibles, ils vont prendre ces threads inactifs et les exécuter. Voilà. Donc là, on passe en actif. Là, vite fait, un point sur le pinning. On en a parlé tout à l'heure. Donc, le pinning, ça consiste en des opérations qui vont être bloquées au niveau de l'OS, soit sur des opérations natives, hein, soit sur du locking. Alors, rappelez-vous du cas du synchronize tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec ça. La solution, c'est de réutiliser actuellement le réentrant lock, qui est basé sur des threads virtuels. Voilà. Donc ici, on trouve sur cette charte graphique là maintenant, on a nos carrier threads en orange, c'est-à-dire que ils sont bloqués sur l'OS et ils ne peuvent pas accepter de threads virtuels en attente. Donc le nombre de threads porteurs, hein, de carrier threads, par défaut, il est égal à votre nombre de CPU. Après, la JVM peut décider d'en allouer plus, si besoin. Voilà. Et vous pouvez, vous, avec des paramètres, changer la stratégie par défaut de la JVM. Un autre point, c'est sur la partie I/O. Dès lors que vous commencez à utiliser des I/O, vous allez avoir une couche de polar qui se met en place. Vous allez avoir plusieurs threads qui vont démarrer et qui vont être responsables de gérer les événements d'IO. Voilà. Et ce polar donc va permettre de donc là on a des threads virtuels inactifs, d'accord, et qui sont en attente d'une réponse. Hein. Donc ils ont fait un accès d'IO. Un accès à un serveur HTTP par exemple, et ils attendent la réponse. La réponse revient et lui va prendre le thread, le virtual thread inactif, va l'assigner à un carrier thread et la suite de l'exécution de l'action va se faire. Par exemple, on va télécharger une image et on va la processer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, je crois qu'il y a un thread de lecture et un thread d'écriture au niveau du polar. Et sur Java 22, pour Linux, on va avoir des threads virtuels dans la couche d'IO. Voilà, ça c'est une petite nouveauté. Là, on commence à rentrer dans la partie observabilité. Alors, quelques rappels sur les fondamentaux d'abord, d'un point de vue debugging. Alors, sur l'observabilité, vous n'allez pas faire du debug, hein, donc, et bien sûr, ce n'est pas production compliant. Okay?
Par contre, c'est vraiment la base. Et on a trois couches pour la partie debug, sur laquelle les outils de monitoring vont se baser. On a la couche JDB, JDI, pardon, qui est utilisée par JDB, qui est plutôt high level. Et si vous regardez dedans, vous allez, par exemple, vous avez une classe thread reference avec un isVirtual qui vous dit si votre thread est virtuel. Vous n'allez pas avoir le state mounted dessus. Vous avez des événements. Ensuite, vous avez une deuxième couche qui est JDWP, qui est beaucoup plus connue parce que c'est celle-là qu'on utilise quand on fait du debug en remote de Java. Voilà. Là, vous pouvez choper un peu plus d'informations. Il y a un All Virtual Threads option. C'est plus lent. Si vous démarrez des milliers ou des millions de virtual threads et que vous commencez à faire du remote debug dessus, ben bon courage. Votre Eclipse, par exemple, va se casser la gueule. Voilà. Ensuite, vous avez JVM TI, qui est vraiment la couche très bas niveau, où là, vous allez coder en C, C++, vous appelez natif. Et là, on peut choper en plus le temps CPU sur les threads virtuels. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait ça encore. Voilà. Donc, vous allez avoir des outils de monitoring, de profiling qui vont se baser là-dessus. Ah, ça, c'est un petit bout d'API de JVM TI. Et là, ça va être pour, je crois que c'est pour s'abonner à des événements. Et enfin, ils ont rajouté sur la partie hotspot diagnostic MXBean la méthode dumpthreads qui vous permet d'avoir les virtual threads. C'est là-dessus que se base JCMD dont David a parlé avant. Voilà. Ça, j'en ai parlé. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Les virtual threads, eh ben, ils sont invisibles avec les méthodes standard, en fait. Voilà. Si vous prenez les API de monitoring MX Runtime, la classe thread, etc., vous n'allez pas avoir d'API qui vous permettent de manipuler, de savoir si c'est du thread virtuel, etc. Bon, une petite exception près pour le MX Runtime, c'est ce qu'on a vu avant sur la classe de hotspot, là. Et plus important, sur les outils standards, comme Java Flight Recorder ou JStack, vous n'allez pas avoir les threads virtuels. Alors, sur Java Flight Recorder, j'en parle juste après, j'en parle en bas, vous allez avoir des événements, par contre. Alors, les événements, vous avez quatre types d'événements. Vous avez la création et la termination des virtual threads. Ça vous donne des statistiques sur l'évolution de votre nombre de virtual threads. Et vous avez les pining events qui sont plus intéressants, qui vous permettent de voir si vos carrier threads sont bloqués sur des appels natifs ou sur des locks. Voilà. Ce qu'on voit avec des outils standards, on va voir les carrier threads parce qu'ils sont natifs. Voilà. Et avec ça, vous allez pouvoir regarder l'usage de leur CPU, l'allocation mémoire, etc. Mais ça ne va pas vous donner grand-chose au final parce que vos carrier threads, ils passent leur temps à prendre un virtual thread, à l'exécuter, à en prendre un autre à côté. Et donc tout ça va être les données que vous allez avoir là, ça va être un gloubi-boulga de ce qui s'est passé à droite à gauche dans votre application. Voilà. Ce serait mieux d'avoir ça au niveau des virtual threads. Maintenant, en termes d'observabilité, en outils que vous avez immédiatement sous la main, vous avez l'outil JCMD. Donc c'est un outil que vous allez exécuter en ligne de commande. Qui n'est disponible que sur un JDK. Voilà. Il va se connecter à travers la procédure de VM attach à votre VM et pour lui ordonner de faire un dump de vos threads. Donc threads natifs plus les threads virtuels. Intéressant. Voilà. Il est limité parce qu'on n'a que les stacks qui apparaissent dedans. Vous n'avez pas l'information sur les locks et sur l'état de votre thread. Vous savez, hein, si vous faites un JStack, vous allez voir en haut
l'état de votre thread qui est running ou blocked. Voilà, vous allez avoir dans votre stack des informations sur le locking. Enfin, tout ça, vous ne l'avez pas alors. JCMD vous donne deux formats. Il y a JSON et texte. Donc texte, c'est assez brut. C'est exhaustif, c'est plus rapide. Moi, je vous recommande d'utiliser cette méthode-là. Par contre, peut-être le petit inconvénient, mais ça, je peux pas vous. Enfin, j'ai pas l'information, mais a priori, ça fait un stop the world quand ça vous récupère l'ensemble des stacks. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un nombre de threads virtuels en cours d'exécution, virtuels actifs, égal au nombre de threads porteurs, de threads natifs. D'accord? Il y a un match des deux. Donc, à un moment donné, il va prendre une image cohérente de l'ensemble. Si vous prenez du JSON, là, ça semble être incrémental, la collection de l'ensemble des stacks. C'est plus lent et vous allez avoir des fichiers qui sont plus gros. Hein, c'est plus verbeux. Voilà. Et là, vous n'allez pas avoir un match entre le nombre de carrier threads et le nombre de virtual threads actifs. Voilà. Ce qui fait que on n'a pas une vision cohérente, en fait. Bon, là, je rentre un peu dans les détails. Mais bon, voilà, il faut le savoir. Je recommande le TXT. Et en bas, vous avez la commande du JCMD. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Là, on va voir trois stacks. Alors, la première, c'est la stack d'un carrier thread, d'un thread porteur. Okay. Et on voit qu'il est sur un continuation run. Donc, il est en train d'exécuter et on est bien dans un fork join pool. Et je suis sur le worker numéro 10, sachant que je vais en avoir une douzaine, parce que j'ai 12 CPU sur mon laptop. Maintenant, là, c'est un virtual thread qui est actif, donc il est porté par un carrier thread et il est en train d'exécuter du code. Et là, on est en train de faire du random, donc on fait de la CPU, là, on fait travailler notre laptop. Troisième stack, cette fois-ci, c'est une virtual thread qui est inactive. Et là, typiquement, ben, notre thread dort. Notre thread virtuel est en train de dormir, donc il n'y a pas d'activité au niveau CPU. La classe virtualThread prend la main et notre thread est parqué. Et on est sur un continuation.yield. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le slide de Jean-François. Et donc ces threads inactifs, vous allez en avoir des milliers, voire des millions, quand vous allez faire un simple thread dump avec JCMD. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez enregistrer ce qui se passe dans votre applicatif, admettons que vous voulez faire un JCMD, un appel JCMD toutes les 30 secondes et voir ce qui se passe. Voilà, on est en production, imaginez. Donc, on va faire donc on va appeler toutes les 30 secondes notre JCMD sur notre process. Alors, avec Geyser, il y a un script qui est disponible pour faire ça. C'est sur Windows, sur Linux, c'est plus facile, avec une commande de watch. Et ça, c'est nouveau, ce sera sur la version 3.2 qui sortira bientôt. Il y a un agent dans Geyser qui permet de faire l'équivalent du JCMD. Donc, c'est un agent, vous mettez ça en ligne de commande de votre process, et ça va faire le même job que JCMD, et en plus, ça va choper d'autres informations. Et en plus, vous avez tout l'archivage de votre enregistrement qui est fait avec la rétention, etc. Voilà, ça c'est la petite ligne de commande de l'agent. Donc maintenant, on a vu la partie recording, JCMD, ou alors vous pouvez utiliser l'agent. Maintenant, la partie analyse. Donc la partie analyse, aujourd'hui, vous avez votre dump fait avec JCMD, ben vous allez le lire à la mano, hein, parce qu'il n'y a pas d'outils encore qui permettent de. Enfin, d'outils du commerce, hein, qui permettent d'analyser ce qu'il y a dedans. Et là, dans Geyser, moi, j'ai implémenté ça. Et donc, on peut analyser du JSON et du TXT. Un choix que j'ai fait, c'est de. Pour une meilleure lisibilité dans les rapports, c'est d'agréger tous les threads virtuels qui sont identiques, les threads virtuels qui sont inactifs. D'accord? Parce que là, vous allez avoir des milliers de threads virtuels, et donc on veut avoir ça juste dans une seule ligne, admettons.
Voilà. On veut filtrer les threads porteurs parce qu'on veut plus s'orienter sur ce qui se passe au niveau des threads virtuels actifs. Le porteur, on sait qu'il est en train de faire un continuation, d'autres runs, c'est tout, on n'a pas plus d'informations. Donc on va le filtrer. Et par-dessus ça, dans l'analyse, on va avoir quelques règles de détection qui vont vous permettre de vous dire si votre applicatif utilise des virtual threads. Voilà. Sur la partie sur les thread carrier, ça c'est si vous utilisez JFR, ça va vous permettre de voir l'utilisage de la CPU. Voilà. Et enfin, ça c'est une règle de monitoring qui est pas mal. C'est au cours des tests, j'ai vu ça. Ça vous permet de voir si vous avez des threads virtuels qui sont inactifs, hein, qui sont actuellement en train de leaker, en fait qui ne font plus rien. J'ai eu ce cas de figure et je vais vous le montrer après. Alors c'est pas lié au thread virtuel, hein. Il n'y a pas de bug à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est vite fait l'analyse, comment ça va se passer. Alors, on a notre applicatif Java en haut à gauche. Donc nous, on va utiliser une petite démo. On va mettre soit du JCMD, soit l'agent. On va faire nos tests. On récupère un enregistrement qu'on passe dans un analyseur. Donc là, on est en mode post-mortem. On génère un rapport. Alors le rapport, il est en Excel. C'est pas sexy, mais quasiment tout le monde peut lire de l'Excel. Vous pouvez mettre ça partout. Donc c'est pas mal. Et puis donc dedans, vous pourrez voir comment vos threads fonctionnent. Et après, bon, bien sûr, on est dans un cycle, vous pouvez changer votre code, etc. Voilà. Donc là, les rapports qu'on va voir, ils sont issus de l'exécution d'une démo qui est dans Jezer. Donc le code est sur GitHub. C'est inspiré de différents projets. C'est pour but éducatif. Ça, pour moi, ça me permet de valider les analyses. On va avoir deux familles de cas ici. La première famille, ça va être de mettre notre JVM sous pression en créant beaucoup de virtual threads en utilisant de la CPU et de l'I/O. Voilà, les trois cas. La deuxième famille, c'est ce qui est locking. Donc, on va voir avec du synchronized, du reentrant locking, hein, qui permet d'éviter d'avoir le pinning, et le deadlock. Ça, c'est un cas qui est intéressant. Donc, tout ça derrière, c'est basé sur des profils d'analyse qui ont été adaptés pour les virtual threads. Bon, sachant, je vais revenir un petit peu là-dessus sur les profils d'analyse. Vous allez voir dans le rapport de l'information qui est abstraite. Donc ça, on part sur de. Jezer va faire de l'analyse de stack, mais pas que, hein. Mais là, dans le cas des virtual threads, on a que des stacks. Donc on va partir là-dessus et ça va regarder ce qu'il y a dans les stacks et regarder ce qui se passe à bas niveau et à haut niveau. Et donc là, on a la partie abstraction. On va voir dans un rapport ce que ça donne. Et pour faire ça, il faut avoir des profils d'analyse derrière. Et donc, on a des profils qui sont liés par exemple, à Oracle, à Log4j. On a un profil de base qui est celui de Java. Vous allez avoir le profil de applicatif, donc à haut niveau. Là, ça va être le profil applicatif, ça va être celui de la démo. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir regarder les rapports. Peut-être falloir que je zoome. Voilà, donc ça c'est un rapport de Jezer. On est sur une vue de type task sequence, c'est-à-dire qu'on veut afficher les threads qui sont actifs, enfin
enfin les threads qui nous intéressent. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 1 à 3% de threads qui étaient intéressants, le reste, c'est poubelle. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on veut vraiment récupérer. À gauche, vous avez du détail. Vous avez les threads. Donc les threads qui sont natifs, les plateformes threads, eux vont avoir leur propre ligne. Les threads qui sont virtuels, actifs, vont avoir leur propre ligne. Et les threads qui sont virtuels, inactifs, c'est là qu'on va avoir l'agrégation. Et donc on peut avoir 3000 threads qui vont être agrégés sur une seule ligne. Et on le voit ici, là, cette ligne-là, là. C'est le premier test qui est fait. C'est un bout de démo qui est fait où là, on va exécuter 10 000 threads qui vont être étalés dans le temps. Hein. Et leur boulot, ça va être de dormir, simplement. Voilà. Donc, au début, on voit que ça augmente. Et en fait, vous voyez que les threads, là, cette ligne-là, les threads ne font que dormir. Il n'y a pas de thread natif en train d'être exécuté. Et là, vous avez le nombre de threads dormants. Là, il y en a 357, là, il y en a 636. Donc, ça, on est en montagne russe, là, sur le test. Alors, je passe sur une deuxième vue. Cette fois-ci, on retrouve toujours nos threads dormants. Et là, on est sur un test où on va utiliser de la CPU à fond. Cette fois-ci, on voit nos carrier threads qui sont en train de travailler là. Ce sont tous les threads en vert. Voilà. Donc là, à un temps T, on chope tous ces threads. Un temps T plus 1, ceux-là, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, j'ai collé ces petites images hein, pour nous rappeler qu'on a des carrier threads qui sont en train d'exécuter des threads virtuels. Donc ici, ce seront les threads virtuels actifs qu'on affiche, non pas les carrier threads. Et on voit, c'est là qu'on a l'abstraction, hein, c'est juste pour vous dire, on voit qu'on est en train de faire de la random generation et à bas niveau, on fait de la number generation. Voilà. Voilà, c'est pas très explicite, mais sur d'autres types d'applications, c'est beaucoup plus sympa. Vous allez avoir un create transaction, par exemple, create payment, et puis à bas niveau, vous allez avoir un accès base de données Oracle. Voilà. Et tous les threads qui sont ici, la ligne bleue, là, ce sont des threads virtuels inactifs qui sont en attente d'être exécutés par ces carrier threads, hein, sous-jacents. Voilà. Et là, on peut en avoir, je crois qu'il y en a une douzaine là. On a le compteur là-haut. Vous voyez? Vous avez le compteur des virtual threads. Alors là, c'est quoi? C'est les virtual threads mounted. Donc là, on en a 13 qui sont actuellement exécutés. Donc la JVM a décidé d'allouer un thread supplémentaire en carrier thread. Et là, on revient à 12. Donc on est sur le standard. Là, on revient à 13. Donc ça fluctue, quoi, en fait, hein. Et en haut, vous avez le nombre de threads virtuels. Voilà. Et puis tout en haut, vous avez le nombre de threads de plateforme thread. Je vais passer à un autre rapport. Donc ça, on est en train de travailler sur un enregistrement JCMD. OK. Je vais vous montrer un autre rapport. Pour la même démo, cette fois-ci, on va utiliser Java Flight Recorder. OK. Et on va le passer dans l'analyseur, on va avoir un autre rapport. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, on ne voit pas grand-chose. Ici, là, vous avez tous vos threads dormants. Hein, vous vous rappelez, le premier test, c'est de créer plein de threads qui dorment. Voilà. Et bien là, on ne voit rien. On ne voit rien, pourquoi? Parce que les carrier threads n'ont rien à faire. Hein, et les threads virtuels sont en train de dormir, donc ils sont inactifs.
qui sont dans l'attente de la fin du slip. Voilà. Si on passe un peu plus à droite, ah, voilà, maintenant on passe sur notre test de CPU, où là on fait du random generation. Cette fois-ci, on ne voit que les carrières thread. C'est ce que je vous avais dit tout au début, avec les outils standards, vous n'allez voir que les threads natifs. Et donc là, on voit une douzaine de threads. 13, c'est là, je crois que c'est ça. Qui font quoi? Ben, là, on sait que c'est un VT carrier, donc Virtual Thread Carrier, okay, qui fait de l'exécution de virtualisation. Mais derrière, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est pas qu'il est en train de faire de la random generation, là, typiquement. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer les deux opposés, hein, les outils standards. Vous allez voir que ça, si cet enregistrement JFR, vous le mettez dans l'outil d'Oracle pour ça. Ah, j'ai perdu le nom. Mais vous avez un visualiseur de JFR. Mais vous allez voir la même chose en fait. Voilà. Vous n'allez pas voir grand-chose au final. Donc je reviens sur le rapport ici. On va changer. Cette fois-ci, on va passer sur un autre test. On est toujours sur de la création massive. On est sur des milliers de threads. Je ne suis pas monté au million, mais on est sur des milliers. Voilà. Cette fois-ci, on va regarder la partie I/O. Alors, enfin, il y a trois petits tests là. Le premier, c'est avec des plateformes thread, hein, où on va simplement se connecter à un serveur et on va aller récupérer des images. Voilà. Et donc là, vous voyez cette grande colonne. Là, on va avoir des centaines des milliers de threads en fait qui vont télécharger une image. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont en train de se connecter via une socket au serveur. Voilà. Alors là, il y a pas mal d'attentes en fait, hein. Tout le monde est bloqué sur les sockets. Il y en a qui sont en train de lire là, socket reading, et il y en a d'autres qui sont en train de se connecter. Voilà. Et puis celui-là, là, ça c'est juste un thread, hein. Chaque ligne c'est un thread là. Donc ce petit thread-là, lui, il a un petit peu plus de mal. Voilà. Maintenant, la même chose, mais avec des threads virtuels. Voilà. Cette fois-ci, bah, on a une vue qui est condensée. En fait, que font nos threads virtuels? Et bah là, ils ne travaillent pas, ils sont dans l'attente du serveur. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas de thread actif ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde. Là, alors vous voyez, on peut, là on a accès à la stack, donc on a du détail hein, si on veut. Voilà. Donc là, le thread il est actuellement parqué et il est parqué pourquoi? Parce qu'il essaye de se connecter au serveur et il est en attente. Donc là, on est sur la couche de Polar, on est en attente d'un event d'IO. Ah. Et toujours la même chose, hein, vous avez un petit multiplicateur là qui vous dit qu'il y a 84 virtual threads qui sont unmounted. C'est UVT, c'est unmounted virtual thread, ouais, qui fait rien. Là, même chose, on fait un troisième petit test. Cette fois-ci, on utilise une structure de TaskOp. Donc c'est assez identique en termes de résultats à ce qu'on a avant. Hein? Et donc, au final, vous voyez ces petits ronds, là, cette petite image que j'ai rajoutée, ben, on a nos threads inactifs, on a des milliers de threads qui sont inactifs ici. Et là, on a passé la première famille de tests, hein, donc de la montée en charge. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième, où là, plus intéressant, c'est différent, c'est une approche différente. Là, maintenant, c'est avec les logs. Hein. Donc, on démarre un premier test avec de la synchro. On va faire un synchronize sur un pauvre objet. Et on a dans notre démo une quinzaine de threads, quelque chose comme ça, qui se battent en duel pour obtenir le synchronize et puis derrière faire un slip. Okay. Donc, le slip, il va durer, mettons, 5 ou 10 secondes pour qu'on puisse avoir un bon rendu ici.
C'est-à-dire que ce thread-là, ce thread virtuel qui est vert actuellement, il est locké en fait. D'accord? Et il est locké sur le système. Donc on a un thread, un pin thread exactement. Ça, c'en est un. Voilà. Et juste après, le thread d'en dessous, il a relâché le lock. Juste après, lui prend la main et cette fois-ci, il va dormir. On est en bleu là. Si on regarde la stack, on va voir qu'il dort. Et à côté, on a tous les autres threads qui attendent le synchronize. C'est cette petite image ici. Et on se retrouve avec des threads bloqués. D'accord? Et un par un, ça se débloque. Tac, 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 tac. Donc très bien. Ici, on en a encore un peu. Donc voilà, donc faut faire attention avec les synchronize. Alors la solution, ben, vous la connaissez, hein, on en a parlé plusieurs fois dans la soirée, c'est d'utiliser le réentrant lock. Et le voilà en action. Donc la ligne du bas, là c'est un thread qui a obtenu le lock sur l'objet et qui est en train de faire un slip. Et la ligne du haut, eh ben, ce sont nos threads qui attendent pour le lock. Et ici, on voit qu'ils sont unmounted. Donc, ils ne mobilisent pas un thread de la plateforme. Là, on en a 4. Ensuite, on passe à 3, à 2, à 1. Et voilà, c'est terminé. Chacun a eu son thread porteur. Et les autres à côté sont disponibles pour traiter d'autres virtual threads. Voilà. Et le dernier test qu'on a ici, c'est le réentrant lock avec un deadlock. Alors, très intéressant ça. À votre avis, est-ce qu'on peut détecter un deadlock sur des virtual threads? Ben, actuellement, non, ce n'est pas possible. Là, on sait que on a deux threads hein, qui se battent pour deux objets différents. Donc, on est sur le cas du deadlock. Hein. Moi, je veux l'objet A, l'autre veut l'objet B, mais il a pris A et moi, j'ai pris B. Donc, voilà le cas classique du deadlock. Et ici, on ne le voit pas, le deadlock, en fait. Du coup, tu le vois en plateforme seule, si tu as des. Alors, en plateforme thread, ouais, tu le verrais. Attention, pas des carrières thread. Hein. En plateforme thread, tu verrais. Ouais. Et Jezer ou n'importe quel outil, hein, tu trouveras, va te choper le deadlock. Il va te dire attention, il y a deux threads qui sont en deadlock là, sur ce cas simple. Voici les stacks, etc. Sur un JSTACK, tu peux l'avoir ça. Voilà. Là, actuellement, c'est pas possible. C'est un deadlock avec un bloc synchronisé. Non, là c'est un deadlock. Tu vois qu'à bas niveau, tu en as un qui fait un réentrant try lock, hein, donc avec un timeout, et le deuxième qui fait un réentrant lock pur, quoi, où lui il va bloquer dur. Il devrait être augmenté alors normalement. Ils sont tous les deux unmounted. Ok, j'ai mal. D'accord. Et ils sont unmounted pour à jamais, là. Voilà. Mais là, en lisant ça, là, je le sais parce que c'est moi qui ai codé le truc, mais je vous donne ça. Ce sera impossible pour vous de voir qu'il y a le deadlock. Voilà. Donc, il y a une amélioration à faire dans Java là-dessus sur les prochaines versions. Voilà. Un autre cas qui est intéressant, si on revient sur le. Vous vous rappelez au début, je vous ai parlé de règles de monitoring, hein, donc qui sont propres à Jezer, où il va essayer de détecter des choses, de générer des événements. Et alors, j'ai fait un test intéressant. Ah, voilà. Vais zoomer un petit peu. Vous vous souvenez le test du download des images? Donc là, j'ai vraiment chargé la mule, en fait. Je ne sais plus combien j'ai mis au niveau download, mais j'ai stressé à fond la JVM. Donc ça, c'est la partie, c'est le petit test où je fais ça avec des plateformes thread, donc thread natif. Tout se passe bien, j'arrive à voir mes images. Ok. Là maintenant, je refais le test. Je crois qu'il est plus ici avec mes virtual threads et j'essaye de télécharger mes images. Et là, la JVM est mise à rude épreuve. On va voir ce qui se passe. Tac. Donc tous ces threads, ils sont unmounted. Hein. UVT, ils sont en attente de. Là, ils sont en attente sur le réseau. Donc on a là-haut tous les détails.
Network VPN Mounted, on est sur de la synchro et sur un socket connect. Donc on est en attente d'une connexion. Ceux qui sont en bas, là, on en a un peu moins, 441 ici, après 22, 2. Donc là, ça se passe un petit peu mieux. Et on est en train de lire les images. Là. On fait du socket reading. Voilà. Et donc, si on continue sur la droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des threads qui restent, des threads virtuels qui restent. Et là, on en a 5 dans ce cas-là. On a 5 QVT qui restent ad vitam. Voilà. Donc, on a l'impression d'avoir un leak, en fait. Pour se sortir de ça, il y a soit vous coupez la connexion au réseau et vous allez vous taper des exceptions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il peut y avoir aussi un timeout à bas niveau qui peut se mettre en place. Sur certains tests, il s'est rien passé du tout et c'est resté tout le temps comme ça. Voilà. Donc là, on est en train de surcharger le serveur distant, qui est un serveur HTTP, qui est probablement un pauvre serveur HTTP, et qui a eu du mal à gérer les connexions. Et du coup, il y a des connexions qui se sont perdues, en fait. Celle-là, on n'aura jamais de résultat. Et on est sur quoi? Sur un socket connect. Voilà, on est en attente de connexion. Donc ça, typiquement, si on regarde. Derrière, ça va générer un événement dans Jazer. Hein. C'est ça qui est sympa à voir. Voilà, on a un virtual thread leak suspicion. Voilà, et là, ça vous fait un petit blabla. Et là, ça vous donne les numéros de threads qui sont actuellement inactifs à jamais, je dirais. Voilà. Et Donc, au niveau du test, c'est mes threads qui étaient dans un pool que tu crées à la main. alors, c'est dans un pool. C'est dans un pool. Et Et c'est les. c'est sur le futur qui est fait et qui en jamais la main, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, là, sur ce cas-là, j'ai passé un week-end à me torturer la tête. Voilà. J'avais contacté José, on en avait discuté, tu t'en rappelles? Oui. Voilà. Mais derrière, surtout, faut garder à l'esprit que ça ne vient pas des virtual threads. Il n'y a pas de bug au niveau des virtual threads. C'est plutôt la partie distante ou la partie bas niveau réseau qui est vraiment mise à mal. Hein. Faut savoir que quand vous chargez la bête ici, vous allez aussi avoir des exceptions qui vont être levées, des exceptions de connexion, typiquement. Vous allez en avoir beaucoup. Donc vous allez avoir apparaître ça dans les logs. Tu fais un get timeout sur le future, ça craque pas le truc. Je peux essayer ça. Donc, je reviens sur la présentation. Et c'est là que on parle sur ce slide de faire gaffe. Enfin, sur ce test précisément qui s'appelle Image Download. Où on va télécharger là 5 000 images. Avec 5 000 images, on a des problèmes. Enfin, en tout cas, sur mon laptop. Hein. J'avais 50% des threads qui finissaient en erreur et j'avais ce fameux pseudo leakage. Voilà. Alors, tech, ça c'est important. Et la différence avec les threads natifs qui, eux, finissaient leur job, hein, ils téléchargeaient les 5 000 images sans problème. Et ben la différence vient de là, c'est que pour le thread natif, on utilise un pool qui est limité à 100 threads, donc tout se passe bien, on charge pas trop la bête en fait. Et là, si on monte à 5 000, c'est là que je vous démontre que ça vient pas des virtual threads. Si on monte notre thread pool natif à 5 000, on va avoir le même comportement. Voilà. Et donc, la solution pour les threads virtuels, hein, c'est de rajouter du floating code, c'est-à-dire de mettre par exemple un sémaphore qui va vous limiter à 100 virtual threads à la fois qui vont se connecter. Et là, ça passe très bien. Ça passe très bien comme avec le pool natif au-dessus. Voilà. Et donc, la conclusion au niveau de ce test, hein, c'est de faire attention à bien gérer la bête, hein, je dirais, parce que Virtual Thread, là, vous allez utiliser à fond votre système. Voilà. La migration vers le Virtual Thread peut être facile. Au niveau du code, c'est simple.
Vos tests fonctionnels, eux, vont être verts parce que vous ne mettez pas de la charge. Okay. Mais quand vous allez passer en prod et que là, vous allez avoir des pics de requêtes, etc., votre process en lui-même, il va bien se comporter. Par contre, vous allez mettre la charge tout autour. Voilà. Et là, vous risquez de montrer des problèmes dans votre architecture. Voilà. Donc, c'est important d'avoir du monitoring de tout ça, hein, de ce qui se passe dans votre process. Donc, les impacts, il faut vérifier dans vos codes toute la partie failover, parce que si l'autre en face se met à déconner, hein, va falloir que vous soyez capable de reprendre sur erreur. Donc, il faut que votre code il soit blindé aussi. Hein. Et ça, en production, quand vous en avez un qui commence à échouer et après que ça contamine tous les autres, c'est parce que le failover est mal implémenté souvent. Voilà, vous avez des effets boule de neige. Donc, faut faire gaffe à ça. Il faut bien sûr ralentir, gérer la bête en mettant des sémaphores, le cas très simple. Voilà. Et puis, il faut faire des tests de performance qui vont vous permettre, alors ça rejoint là une conclusion de David, hein, de voir comment réagit votre système. Et de là, vous allez pouvoir peut-être mettre en place des optimisations. Voilà. Et tout ça, si vous faites ça aujourd'hui, il faut prendre ce que vous avez sous la main. Donc là, vous avez JCMD ou vous avez Jaeger. Bon, d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense qu'il y a d'autres outils qui vont implémenter tout ça. Ça va être très sympa. Donc la grande question, là, on en approche de la fin, est-ce que les virtual threads sont prêts pour de la production? Donc ce qu'on a vu, c'est que c'est important d'avoir une vue interne de ce qui se passe dans votre JVM, que ce soit avec des virtual threads ou pas. Hein. Pour moi, c'est super important. Si vous regardez ce qui se passe en production aujourd'hui, hein, sur les cas concrets, on sait ce qui se passe au niveau CPU, ce qui se passe au niveau mémoire, mais ce qui se passe à l'intérieur de votre JVM, les threads qui sont en train de travailler, on est très loin d'avoir une très bonne vue. Voilà. On navigue un peu dans le vague. Donc pour moi, c'est important d'avoir une vue interne de votre JVM, de savoir ce qui travaille actuellement, et d'avoir derrière, que ce soit un rapport Jaeger ou quelque chose avec d'autres outils, d'avoir une vue concise. Voilà. Donc la solution actuelle pour ça, c'est JCMD, puis demain, quand la version 3.2 sera sortie, un agent. Hein. Alors est-ce que c'est prêt? Bah, pas tout à fait, hein, je dirais. Vous n'allez pas mettre les virtual threads tout de suite en production. Les raisons, la première, c'est que JCMD, il n'est, en tout cas chez nous, chez Worldline, il n'est pas de production compliant parce que JCMD, il est uniquement dans le JDK et chez nous, les JDK ne sont pas installés en production. En tout cas, moi, sur les serveurs sur les applications que je connais. Voilà. La deuxième raison, c'est que Jaeger, c'est quelque chose qui est inconnu, c'est pas quelque chose que vous allez tout de suite mettre en place en production. Voilà. Si vous voulez utiliser Jaeger, allez-y, hein, moi je suis tout à fait content pour ça. Mais par contre, derrière, il faut vous attendre à bien sûr avoir les équipes de sécurité, etc. Enfin, il y a des longues discussions et puis vous adapter à ça, etc. Donc, actuellement, avec JCMD, ou Jaeger, vous êtes loin de la prod, je dirais. Donc, qu'est-ce qui manque en termes d'observabilité? Ça va arriver. Hein. Alors, il nous faudrait une API de haut niveau pour le monitoring. Hein. Rappelez-vous, hein, JCMD, là, ce que ça fait juste un dump de fichiers. C'est vraiment le truc brut de base, quoi. Vous n'allez pas faire de l'observabilité juste avec des fichiers. Non. Il faudrait avoir une API qui vous permette de connaître le nombre de threads, de savoir ce qu'ils font, aussi d'optimiser les virtual threads inactifs. Hein. Parce que quand je fais un dump avec JCMD et que j'ai 3 millions de threads inactifs, il va me mettre 3 millions de threads qui vont avoir la même gueule dedans, dans votre fichier. Donc vous allez avoir un fichier qui va prendre, mettons, 100 mégas pour pas grand-chose en fait. Vous pouvez le réduire
un seul thread virtuel inactif, hein, celui qui fait en train de faire un slip, et puis de dire, voilà, c'est le thread numéro 1 jusqu'au thread numéro 10 millions. Voilà. Là, vous allez faire du shrink. Voilà. Donc c'est le merge the unmounted virtual thread. Alors ce serait bien de l'avoir au niveau de l'API directement, parce qu'aujourd'hui, vous passez par JVMTI pour obtenir la liste des threads virtuels inactifs. Il va vous retourner le million de threads. Donc le memory footprint, il est pas mal. Et ce serait bien d'optimiser ça. Et ça permettra aussi d'avoir une meilleure lisibilité. Alors moi, je l'ai fait sur le rapport Geyser, hein, mais je le fais au moment de l'analyse, bien sûr. Il faut ici attendre d'avoir un meilleur support sur tous les outils de monitoring sur toutes les plateformes. Et ça, il y a des gens qui travaillent dessus. Ça, si vous allez sur les forums Java, vous verrez. Et on aimerait avoir plus d'informations autour des virtual threads. Quelle est leur utilisation mémoire, CPU, le locking, savoir mon thread, là actuellement, il a locké tel, tel, tel objet. OK. Et puis on aimerait avoir la détection des deadlocks. Et aussi, ce serait bien que les API au niveau des virtual threads vous rajoutent du code de protection. Vous vous rappelez, si on n'a pas de sémaphore, on peut aller très très loin, on va lâcher la bête. Ce serait bien que par défaut, enfin, qu'il y ait un moyen de brider cela, quoi. Voilà. Alors, la conclusion, d'un point de vue production, c'est pas tout à fait prêt. Donc, pour des projets existants, n'allez pas tout de suite mettre en place les virtual threads. Regardez ce qu'il y a comme framework dans votre applicatif, comme les containers, etc. Vérifiez que si les virtual threads sont activés ou pas, parce que imaginez que le framework soit mal codé et puis que vous avez un phénomène de unleash the beast, vous risquez d'avoir des problèmes en prod. Voilà, donc faites attention à ça. Il va falloir attendre pour les. Il va y avoir des améliorations, ils vont arriver dans les prochains updates de Java. Alors j'espère que ce sera Java 21 et qu'on n'aura pas à attendre à Java 25, hein, qui sera dans quelques années. Là, je m'attendrai à ce que sur les updates de Java 21, le monitoring soit meilleur. Alors il y a déjà des améliorations au niveau du dump de JCMD, il y a des améliorations en mémoire qui ont été faites et c'est vachement plus rapide sur du Java 22. Voilà. Et bien sûr, il faut rester pragmatique, hein, du Java 21, vous n'allez pas mettre ça tout de suite en production, hein, vous savez combien d'applicatifs tournent encore sur Java 8, quoi. Le passage à une autre version majeure, ça prend toujours du temps. Donc, je ne serais pas étonné que personne ne mette ça tout de suite en prod. Maintenant, au niveau du développement, au niveau de la R&D, il faut anticiper le mouvement. Il faut s'intéresser au virtual thread. Et donc, si vous prévoyez de passer votre projet sur des virtual threads, la première chose à faire, hein, c'est d'aller regarder les gains de performance que vous allez faire. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Et puis aussi, quel est le coût pour passer sur du Java 21? C'est la même chose, c'est important sur un projet. Voilà. Il faudra préparer du safety bell code, donc les sémaphores, hein, sur les points à travers vos tests de performance, vous verrez que il y a des points où là ça va s'accélérer à toute vitesse et vous allez faire du hammering un peu partout. Donc là, il va falloir protéger votre code et identifier les opérations qui sont vulnérables à la performance. Et il faut bien sûr suivre les évolutions, parce qu'il y a très belles choses qui arrivent. Le structure de ta scope est super. Le scope value aussi. Voilà. Et donc, si vous démarrez de nouveaux projets aujourd'hui, allez-y, prenez du Java 21, commencez à coder avec ça, sachant que vous allez aller en prod dans un an ou 2 ans, quoi. Et voilà, on est arrivé au bout de la présentation. Alors, si vous avez des questions. Sur le rapport que tu as présenté, c'est un Excel avec directement tous les onglets ou tu as différentes typologies de rapports. C'est pas magnifique. Ça, c'est une sortie directe de l'instant.
De Geyser, ouais. Ah, c'est une sortie directe de Geyser. Ah, Ah non, non, les images, je les ai rajoutées. C'est juste pour la présence. Et en fait, sur les rapports, tu as un profil d'analyse qui va inclure dedans ce que tu veux mettre dans ton rapport. Là, on a vu juste la partie thread, mais tu as plein d'autres types de vues. Tu as une vue profiling, etc. On va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Et puis tu peux avoir une vue où tu vas t'orienter sur du locking, une autre vue où tu vas être sur de la CPU, de la mémoire, sur des enregistrements classiques, parce qu'avec les virtual threads, tu n'as pas cette information actuellement. Oui, c'est assez riche. Puis après, tu as des vues qui sont liées aux événements, comme on a vu avec la détection là, du pseudo thread leak. Voilà. L'idée, c'est de présenter ça sur différentes feuilles. Alors là, la feuille des événements, ça va intéresser l'opérateur. Lui, il veut juste savoir ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis les autres vues, là, ça va être plus pour le développeur, pour aller voir, tiens, qu'est-ce que font mes threads actuellement, pourquoi ça merde. Voilà. Voilà, alors sur le web, vous pouvez télécharger, je vous refais une petite passe sur Geyser, hein, vous pouvez télécharger l'analyseur, il est disponible, il y a un installeur. Ça fait 250 mégas, quelque chose comme ça. Et ça va vous installer un analyseur web. C'est une interface qui est assez simple. Derrière, vous récupérez un enregistrement. Alors, l'enregistrement, ça peut être un Java Flight Recorder, un JFR. Ça, c'est classique, hein. Ou alors un enregistrement de Geyser, parce qu'avec l'agent, vous avez la même chose. Vous passez ça dans l'analyseur, ça vous sort le rapport. Vous avez aussi dans cet écosystème le monitor qui, lui, va vous permettre de vérifier ce qui se passe dans votre enregistrement et de générer des événements. D'accord? Donc là, on est plus dans un mode real time. Et à côté, vous avez aussi le recorder peut être pris tout seul, juste pour générer un enregistrement. Là, c'est quelques mégas, il y a un petit installeur. Voilà. Dedans, vous avez la partie JCMD. Donc sur la prochaine version, vous aurez la partie qui permet de capturer les threads virtuels. Ce qui sera bien aussi, c'est que sur cet agent, je l'améliore pour récupérer toutes les informations de CPU et de mémoire que j'obtiendrai sur les threads natifs, hein. Pas sur les threads virtuels, on ne peut pas. Voilà, pour avoir une vue un peu plus cohérente. Autre question là, sur le côté monitoring et tu regardes les threads et tu avances sur le nombre de threads par rapport au nombre de CPU. Est-ce que tu as vu des comportements spécifiques quand tu es dans des conteneurs? On va réduire des ressources, tu vois, la liste, ça va. Ah, je peux faire sous Docker, c'est ça? Non, je peux essayer. Et pour terminer, vous avez un analyseur qui est en ligne. Donc il y a des gens qui l'utilisent. Alors ils l'utilisent de façon très basique. Ils vont venir avec un enregistrement JFR, ils vont le mettre dessus et ils vont récupérer un rapport Excel. Ça va les aider. Il y en a d'autres qui viennent juste avec un thread dump, paf, ils le passent dessus, ça leur rapporte, ça leur fait un rapport. Donc ils vont pas voir grand-chose, enfin, ils vont voir pas mal de logs, admettons, dans leur applicatif. Mais au moins, il y aura une abstraction de fait, ils vont voir que les 5-10% qui sont intéressants dans ce qui se passe dans leur JVM, quoi. Voilà. Et moi, derrière, ces enregistrements, ça me permet d'améliorer les profils d'analyse. C'est très intéressant pour ça. Voilà. Est-ce que ça travaille par processus, par point de vue? C'est un système à plusieurs microservices. Ah oui, alors oui, parce que là on se focalise uniquement sur une JVM là, ce soir. Alors là, en post-mortem, bah, tu vas récupérer chaque enregistrement, c'est un peu rébarbatif. Si tu es en real-time, par contre, le monitor, qui lui va regarder l'enregistrement, il peut en regarder 36 à la fois. Voilà. T'as un seul process qui regarde tous les enregistrements et qui va te générer des événements si besoin.